C'est-à-dire que, voilà, bon. Allez-y. 0, 5-0, il n'y a pas de dispute, pas de dispute. Ok, nous nous sommes venus bon, pour la finale. Vous savez, ça c'est Canal. Oui, c'est Canal. Vous savez, trop, c'est trop comme on le dit chez nous. Nous sommes, cette année, nous sommes venus juste pour la finale. Là, nous sommes en finale. On cherche notre adversaire pour la finale. Tous ceux qui se mettront au travers de notre chemin seront balayés, comme tout à l'heure les éperviers. Nous allons les écraser, écrabouiller. Tout à l'heure, 5-0, tout de suite, on commence déjà, on va remonter un peu les statistiques au niveau des buts, au niveau de la capacité. C'est honteux pour une compétition si prestigieuse, après combien de matchs, on n'a que 4 ou 5, 9 buts marqués. Pour moi, c'est honteux. On va essayer de relever un peu les statistiques. On va mettre à 5 tout à l'heure. D'accord, du courage, mais il ne faut pas oublier qu'à chaque fois que le Togo et la Côte d'Ivoire étaient dans le même groupe au premier tour, ni l'une ni l'autre équipe n'ont passé le premier tour en Coupe d'Afrique. Bon, vous revenez en 1984, c'est vrai. Mais les choses ont changé. Les choses ont changé, les choses ont évolué. Cette année, pour paraphraser un peu un président d'un club cher aux Ivoiriens, l'Africa Sport, même si c'est marqué avec les cuisses, le ventre, la langue, les dents, l'essentiel, ce sera les buts. Et il en aura 5 tout à l'heure. Merci beaucoup. Supportez à présentez-vous quand même pour que je fasse mon papier. Félix Amandé, venu spécialement d'Abidjan pour la compétition.